Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre journal de la culture. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ensemble les événements culturels qui ont marqué la semaine au Caire. Le samedi 17 juillet, une festivité privée aura lieu au Petit Théâtre à l'Opéra. Au même jour, la troupe de chansons religieuses propose une bande d'invocations religieuses au Théâtre del Gomorrilla. Le dimanche 18 juillet, l'inauguration d'une exposition d'art plastique aura lieu à la salle artistique de Salah Taher, à l'Opéra. Et enfin, le lundi 19 juillet, la troupe patrimoine des Tanoura présente ses spectacles de danse et musique folklorique au théâtre de Beit El Ghouri. L'orchestre du Caire présente des airs et des extraits de la musique classique avec la musique composée par les grands compositeurs internationaux. Et bien sûr, l'orchestre du Caire excelle en présentant cette musique sollicitée par une élite et un public qui aime tout ce qui est classique. L'orchestre du Caire symphonique sous direction du maestro Ahmed Saidi, accompagné du soliste piano américain Alexandre Frey et soliste cello russe Victoria Kabralova, présente un concert musical au Grand Théâtre. Le programme a donc regroupé une bande variée de pièces musicales jouées sur le piano et cello. L'intro était d'une pièce Printemps d'Abalachi pour Goblard, suivi par Rhapsody de piano et l'orchestre Legertwin, Concerto cello et l'orchestre de Biret et la symphonie première pour Baribir.
À savoir que l'orchestre du Caire est considéré comme le plus ancien en Égypte, institué en 1959 par le maestro autrichien Franz Lichauer. Et dès lors, il continue à enrichir la vie musicale artistique en Égypte. À travers ses accueils de plus célèbres musiciens au monde, de même, il encourage les musiciens égyptiens de compositeurs, joueurs et chefs d'orchestre à se faire connaître à l'audience. Et tout au long de son histoire, l'orchestre a réussi à rejoindre à son répertoire artistique des compositions internationales. Et dans le cadre du message de l'opéra, à diffuser les arts sérieux, l'orchestre présente des festivités pour enfants d'école en vue de promouvoir le goût artistique. De même, l'orchestre organise des ateliers pour les entraîneurs, à part ses visites et tours artistiques partout au monde. L'Institut de la musique arabe au centre du Caire accueille des spectacles avec des chansons qui remontent au répertoire de la chanson égyptienne. Et vraiment, ce sont des airs et également des voix qui méritent d'être vues et écoutées. Thank you.
La troupe de musique arabe Patrimoine a présenté une festivité musicale sous direction du maestro Mohamed El Mougi au théâtre d'Institut de musique arabe. Le programme a donc regroupé une bande variée de chefs-d'œuvre de chants arabes patrimoine, parmi lesquels figurent Musique Meshaerif pour Ahmed Fouad Hassan, deux ballades de chants La Tayyeh et Agab al-Ghazalin pour Fouad Abdelmegid, El Biali Kekhay pour Mohamed El Mougi, Adam Aya pour Mohamed Sultan, Houa Dalal Yani El Khassam pour Daoud Hosni, Habibi Labet El Hegr, Aini Betrif et Sakan El Lil pour Mohamed Abdel Wahab, Ana Bastanek, Ahla ou Abeltak Menzaman, et Musique Baïd Annak pour Balik Hamdi, Wala Ya Wala pour Mahmoud El Sherif. Spectacle de rose pour Mohamed Fawzi, Ash-Ek et Thierry Alil pour Nagah El-Ghunemi et Ehna Letnin pour Riyad El-Sombati. Interprétation Enra Mustafa, Ahmed Mohsen, Hasna, Ahmed El-Waziri, Yasser Selimane et Hanan Assam, accompagné du joueur de violon Ahmed El-Saïd.
D'ailleurs, la troupe de musique arabe Patrimoine était instituée en vue de revivre le patrimoine musical arabe et présenter des formes et cadres lyriques divers à l'audience et au fond de musique arabe, comme la balade de son, la poème, les monologues et les compositions théâtrales, tout ceci à travers une bande de musiciens talentueux et des voix distinctes de préservateurs du patrimoine, de performances délicates au niveau individuel et collectif. La troupe a présenté sa première festivité au théâtre d'Institut de musique arabe en 2004 et à la suite se sont poursuivies ses activités artistiques. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé d'agréables moments. Notre compagnie aujourd'hui et cette édition, notre journal de la culture. Rendez-vous la semaine prochaine afin de découvrir d'autres événements et également des concerts et des spectacles qui vont vous plaire. Merci et à la prochaine.